Waouh, mais c'est un truc de ouf! En fait, les éoliennes, c'est l'énergie du futur! Ouais, non, mais c'est génial, mais change le programme parce que je crois que Jean-Guy, il a pas l'air d'accord avec ce que t'as mis. Non mais arrête, c'est hyper intéressant quoi! On apprend trop de choses sur les éoliennes, moi je suis vraiment... Ouais, mais regarde Jean-Guy là. Jean-Guy, il a envie de mettre le foot, hein. Mais non, mais franchement, faut laisser ce documentaire, c'est... Jean-Guy! Arrête! Rends-moi cette télécommande! Non mais on veut pas du foot! Casse-toi avec ça! Bon, vous arrêtez tous les deux là, c'est bon? Vous arrêtez là? On se calme, hein. La télé, c'est pour vous deux. Non mais... Remets le documentaire, voilà, le documentaire. Non, pas le foot! Non, remets le document. Non, pas le foot! Le documentaire! Le foot! Non! Jean-Guy! Bon, Jean-Guy, c'est bon, vas-y, envoie le jingle, s'il te plaît. Avez-vous déjà vu la map Turbine en détail? Hey, salut à tous les amis et bienvenue dans cet épisode numéro 10 du Avez-vous déjà vu? Nous sommes aujourd'hui sur la map Turbine. Et vous allez voir que cette map a quand même quelques défauts. On dirait c'est un peu comme d'habitude. Oh la mauvaise langue quoi. Oh la mauvaise langue. Bah quoi, c'est vrai. Et puis il y a un truc que je comprends pas les gars. Il y a un parc d'éoliennes en plein vent. Toutes les éoliennes tournent, hein. Toutes sans exception sauf elle. Je sais pas pourquoi, genre bon elle est en panne. Voilà, elle est en panne. On se met d'accord, elle est en panne. Et puis il y a un autre truc que je comprends pas. Les éoliennes, il n'y a pas de porte. Ça veut dire qu'une fois... que t'as construit l'éolienne, s'il y a un mec qui restait dedans, c'est fini, il sort pas, quoi. Oui, c'est moi. Quoi? Oui, c'est moi, bah, je suis coincé, en fait, dedans. Ah, t'es sérieux? Et puis, c'est pareil, niveau sécurité, mais 0%, quoi. Voyez la loupiote, là, la lampe, quoi. Elle a une utilité, quand même, celle-ci aussi. C'est pour que les avions ne rentrent pas dans l'éolienne, dans la nuit. Ah, mais celle-là, il y en a pas. Il y en a pas. Vous pouvez expliquer, quand même? Oui, on n'avait plus d'ampoule. Ah, vous n'aviez plus d'ampoule, d'accord. Ok. C'est pareil, une éolienne, on est d'accord, c'est une hélice sur un mât, ok? Ok, on a perdu un débile. Eh bien, regardez au fond. Je crois pas que cette éolienne est montée correctement, hein. Voilà, l'hélice est dans le mât, mais en bas. Je pense qu'elle va bien tourner. Et putain, c'est qui laisse traîner ses chaussettes, là? Je crois que c'est les miennes. Tu peux accrocher ça ailleurs. Ah, puis les amis, on peut pas partir de cette map sans vous montrer l'invention du siècle, hein. C'est-à-dire, vous voyez, ce dossier, je l'explose, hein, des papiers en sortent, des papiers confidentiels qu'on ne veut pas retrouver aux mains de l'ennemi. Eh bien, technique secrète, ces papiers s'autodétruisent tout seuls. Disparition. C'est génial, quand même. C'est génial. Bon, vous me ferez le dossier 5C, le dossier 4B, il y a 500 pages à recopier, vous me photocopierez tout ça recto verso, vous m'envoyez ça par mail et c'est ok. Non, je veux pas! Je pète un câble, j'en ai marre! J'en ai marre de ce boulot de merde! Qui a mis une tourelle dans le bureau, s'il vous plaît? J'en peux plus de ce boulot de merde! Enlevez-moi cette tourelle directement, là c'est dangereux, il va tuer quelqu'un! Ah! Nous interrompons notre programme quelques instants pour passer un message à tous les employeurs qu'ils arrêtent de mettre des tourelles dans leur bureau, merde! Ceci est un message du ministère du Travail. Non mais après c'est normal qu'on ait des réactions comme ça, regardez toutes les thermos de café qu'il y a partout quoi. Ça veut dire que les mecs ils ont une surénergie à un moment donné, faut que ça pète, hein. Faut que ça éclate au grand jour, ils sont obligés de... Ouh, ils sont obligés de tout faire péter comme ça. Et puis je te ferai remarquer que même dans le local à matériel, t'as encore des thermos de café. Et même en sortant, il y en a encore un sur le bureau. Non mais c'est un truc de fou, les mecs sont dopés au café. Tiens, en parlant du local à matériel, t'as déjà vu le casque caméléon? Eh oui, ce casque tu le mets dans l'ombre? Ils se font dans l'ombre. C'était le casque caméléon, une nouvelle invention en plus de dossiers autodestructifs, enfin bref. Et puis là, on vous a mis un panneau. Hein, on va bien regarder le panneau. C'est un panneau de danger. Attention, c'est électrique, faut pas toucher. Il y en a un deuxième ici, hein, on vous précise un mètre plus loin qu'il y a un panneau de danger encore électrique. Et là, on avance et il n'y a pas de panneau. Bon, ça veut dire que je peux toucher les fils, c'est bon? Et puis là, on voit que le pont est bancal tout simplement parce que les câbles ont été sectionnés. Suite à une catastrophe, la chute d'un objet, non, ils ont été coupés au ciseau. Tu vois la coupure, elle est nette, précise, il y a un gars qui s'est fait chier avec son ciseau à couper les câbles. Il a fait, ouais les mecs, je vais vous faire chier, je vais faire tomber le pont, haha. Et puis, vous avez jamais vu une voiture exploser sur cette map, ou sur Black Ops 2? Bah déjà, ça tue mon collègue, voilà, mon collègue est mort, mais surtout, ça fait deux volants. Bravo. Et les amis, c'est ainsi que l'épisode numéro 10 du Avez-vous déjà vu se termine. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. En tout cas, on était sur la map Turbine. Et puis, on se dit à très bientôt. Non, stop. Non, on termine pas là. J'ai une information capitale.
Toi, tu vas pas commencer à me faire chier, c'est bon, j'ai terminé l'épisode là, j'ai tout dit, tu peux pas dire quelque chose de plus, c'est bon, je suis trop fort, c'est moi qui gère. Non, Jean-Guy est avec moi cette fois. Comment ça, Jean-Guy est avec toi? Aïe, aïe, chouchou. On reprend les choses en main. Eh oui les amis, je reprends les choses en main, car ce trou de balle, il a pas tout étudié, moi j'ai fait un léger sondage auprès de vous. Eh oui, je m'intéresse à votre avis. Eh bien, voyez cette carcasse qu'il y a au milieu de la map. Plusieurs d'entre vous m'ont dit, oui c'est un avion. Et suite à un sondage, je peux vous répondre que non, ce n'est pas un avion. En fait, c'est une éolienne qui est tombée. Alors, me demandez pas comment elle a réussi à finir de la gauche vers la droite au milieu du terrain, hein. J'en sais strictement rien, mais c'est une éolienne. On peut le voir tout simplement aussi par l'intérieur. Mais attendez, la question que je me pose, c'est, est-ce que vous l'avez vue? Maintenant, oui. Et les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode numéro 10 du Avez-vous déjà vu? J'espère qu'il vous aura fait plaisir, hein, en tout cas, j'espère vraiment. Et puis je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode sur Call of Duty Ghost, alors le trailer multiplayer, donc ça sera vraiment à prendre avec humour, hein. Je critiquerai un petit peu le jeu, mais c'est pas méchant. Je serai le premier à l'acheter le jeu quand il va sortir, donc je suis comme vous quoi, faudra pas s'énerver, ça sera gentil. En tout cas j'espère que cet épisode Call of Duty Ghost vous plaira, et bien évidemment le Avez-vous déjà vu, ça sera aussi sur Call of Duty Ghost, hein, bien évidemment. Allez je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Rasta, peace.